Bonjour à tous, ici Sébastien, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le tour de ma toute nouvelle colocation parce qu'après plusieurs mois de travaux, eh bien je suis à deux doigts de la meubler. Donc restez bien avec moi, on va faire ensemble la visite de cette colocation de 4 chambres. Alors, avant qu'on fasse la visite et que je vous donne plus de détails, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les stratégies de location à haut rendement, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis, je vous invite également à télécharger mes deux e-books « Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée ». Pour télécharger ces deux e-books, c'est simple, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre YouTube de cette vidéo, et puis sinon vous avez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors voilà, je suis à deux doigts de meubler cette colocation, donc on est sur un projet de 81 mètres carrés, un appartement de 4 chambres, et sur cet appartement j'ai eu plusieurs mois de travaux, on doit être à 5 mois de travaux, on va être sur un budget de travaux entre 45 000 et 50 000 euros. Pour vous dire, tout ça pour vous dire que je suis parti d'extrêmement loin sur cet appartement, mais je suis plutôt satisfait du résultat et je souhaitais vous montrer ce chantier avant la phase d'ameublement. Donc je me trouve devant la porte d'entrée, donc ici on va voir un placard qui sera aménagé donc, pour y mettre les manteaux, les chaussures, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir du rangement. Donc ici, je me trouve maintenant juste à l'entrée, il y a la cuisine. Donc elle est un petit peu encombrée parce qu'elle m'a été livrée il y a deux jours et elle va être montée dans deux jours. Donc il y a une partie des éléments là et on va retrouver l'autre partie dans le séjour. Donc on a quand même une cuisine assez grande. Ici, on aura un meuble bar avec des tabourets hauts. Donc on aura un lave-vaisselle, on aura un lave-linge séchant. Et puis pas mal d'éléments de rangement, toujours dans une optique d'apporter un maximum de valeur aux colocataires ou aux locataires d'ailleurs si jamais les appartements qu'on rénove ne sont pas destinés forcément à la colocation. Alors là où je suis particulièrement fier dans cet appartement, eh bien, c'est que j'ai créé une salle d'eau de toutes pièces. Donc la salle d'eau que je vais vous montrer maintenant, elle n'existait pas du tout au moment où j'ai acheté cet appartement. Au moment où j'ai acheté cet appartement, ce que je vais vous montrer, eh bien, c'était un balcon plus un débarras. Alors, je vais ouvrir la porte. Je vais allumer la lumière. Voilà. Et donc là, on va rentrer dans une salle de bain que j'ai créée de toutes pièces. Donc, ce qui est bien en plus, c'est qu'on a pu mettre une double vasque. Donc, toujours bien d'amener plus de valeur à ses colocataires ou à ses locataires d'ailleurs, tout court. On a une grande douche en 90 par 120, donc la paroi de douche a été mise récemment en place. Et puis hop, de l'autre côté, on a également voilà, un sèche-serviette, donc tout a été faïencé. Au sol, j'ai mis de l'imitation carreaux de ciment. Bon, je trouve personnellement, j'aime ça, mais je suis vraiment particulièrement fier parce que vous voyez, ici, au niveau de la vasque, avant, il y avait un mur qu'on a tout démoli. Et derrière, c'était un séchoir. Donc nous, on a cassé tout ça pour faire une grande salle d'eau avec double vasque, grande douche. Et vraiment, tout ça n'existait pas au moment où j'ai acheté l'appartement. Donc je suis plutôt content. Donc je vais vous amener dans la première chambre de cet appartement. Donc c'est encore un petit peu encombré parce que le peintre qui a terminé, bon, il a pas encore tout évacué, vous voyez, encore des sauts de peinture, il y a des chiffons, etc. On a par contre mis les radiateurs ici dans l'appartement. Tous les radiateurs ont été mis. Et puis vous allez remarquer que dans chaque chambre, voilà, j'ai quand même pas mal de rangements pour les futurs colocataires. Donc j'ai un dressing qui contient des étagères et puis une penderie de l'autre côté. Donc on est plutôt bon. Dans chacune des chambres, en fait, il y aura un lit en 140 par 190, le dressing et également un bureau, un espace de travail. Les chambres sont assez grandes, elles font entre 10 et 11 mètres carrés, donc ce qui est largement suffisant et correct. Donc je vous amène dans le séjour. Alors bien sûr, dans cet appartement,
j'ai mis des faux plafonds un petit peu partout. Donc vous voyez ici, j'en ai profité pour mettre des spots au plafond. On va retrouver également les spots ici au plafond dans la cuisine. C'est parce que voilà, c'est plus moderne et honnêtement, on est parti de très très loin dans cet appartement. Je vous ai dit que j'avais entre 45 000 et 50 000 euros de travaux. Bien sûr, j'ai dû changer toutes les menuiseries, toutes les fenêtres parce qu'on était sur du simple vitrage bois. Donc là, on est passé sur du double vitrage en PVC. Donc je me trouve maintenant dans le séjour. Donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il est un peu encombré. Ben, ça, c'est le reste des éléments de la cuisine. J'ai amené quelques touches de couleur. Donc on a du jaune ici dans l'angle. On a également voilà, du jaune ici de l'autre côté. Donc il reste très peu de choses à faire dans ce séjour, si ce n'est voilà, venir récupérer ici le parquet bois. Il va falloir le poncer, il va falloir le lustrer, le vitrifier pour le récupérer et lui redonner toute sa jeunesse. Alors personnellement, j'adore le parquet bois, je trouve que ça amène du cachet, je trouve que ça amène du charme, ça amène de la chaleur et c'est pour ça que j'ai souhaité le garder sur cet appartement. J'ai pas voulu le recouvrir de PVC ou encore de parquet flottant, d'autant plus qu'il est en excellent état, donc c'est plutôt quelque chose d'impeccable. Je vais vous montrer un local, le petit local technique de cet appartement. Donc on est ici voilà, dans un petit local dans lequel on est venu mettre le ballon d'eau chaude et c'est également dans ce local qu'on pourra mettre eh bien, tout ce qui va être aspirateur, balai, serpillière, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir du rangement. Donc je vais vous montrer maintenant une deuxième chambre de cet appartement. Donc les chambres elles sont toutes sur la même configuration. Donc vous voyez ici on a également le dressing pour le futur locataire. Donc dressing j'entends coin étagère et coin penderie. Le chauffage aussi a été mis en place. On est sur une chambre également qui fait à peu près 10 ou 10,5 mètres carrés. Donc on va mettre encore une fois un lit en 140 par 190 et également un bureau pour que le colocataire, étudiant ou pas, puisse travailler ou avoir un espace de travail. Je vous amène dans la troisième chambre. Donc ici, on a également du parquet bois qui va être poncé, lustré, vitrifié. On va retrouver derrière moi le dressing, donc l'espace rangement, et on est encore une fois sur une chambre voilà, dans le même ordre de surface. Et puis je vous amène dans la quatrième chambre de cet appartement. Alors la particularité de cette chambre, c'est que ici, initialement, derrière ce mur, en fait, eh bien, on avait un évier qui appartenait à cette chambre. Donc moi, le choix que j'ai fait, eh bien, c'est de supprimer cet évier parce que derrière, on a la salle de bain et j'ai souhaité agrandir la salle de bain qui se trouve derrière, donc la salle de bain initiale de cet appartement. Et je vais vous la montrer d'ailleurs dans quelques instants. Donc ce que j'ai fait également dans chacune des chambres, c'est mettre du carrelage en fait dans les placards puisque dans la partie dressing puisque forcément le parquet bois il n'allait pas jusque dans le dressing, donc il a fallu trouver un moyen de faire quelque chose. Il a fallu faire quelque chose pour qu'on ait une continuité de sol, donc j'ai fait le choix de mettre du carrelage. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer les toilettes de cet appartement. Donc évidemment, on avait des vieux toilettes, donc je suis parti sur des toilettes en WC suspendues. Voilà, donc ils ont été faïencés sur les murs et au sol, on retrouve également du carrelage. Et ce que je vais faire également, c'est vous montrer la salle de bain initiale. Alors bien sûr, il y avait un bidet, tout a été évacué, donc on est sur une salle de bain maintenant moderne. Donc vous voyez, on a mis un meuble vasque, donc là j'ai pas pu mettre une double vasque, on n'avait pas suffisamment de place. Juste pour info, ici, ça c'est l'ancienne chaudière, il y a un des artisans qui veut la récupérer, donc je vais la lui donner. Alors je vous amène maintenant voir la douche. Donc on a également une grande douche, hein.
On a une douche en 120x80, donc j'ai fait le choix de mettre un bac noir. Voilà, j'ai mis des éléments de frise décoratifs des deux côtés. On a la colonne de douche et je vous ai dit que donc derrière, de l'autre côté, c'est la chambre. Et donc, vous voyez, j'ai pris sur la chambre pour agrandir ici le bac de douche de la salle de bain parce qu'aujourd'hui, lorsque vous lancez dans l'immobilier, il y a deux pièces maîtresses sur lesquelles voilà, vous devez absolument que vous ne devez absolument pas négliger, c'est la cuisine et les pièces d'eau. Donc j'ai préféré prendre un petit peu sur la chambre, elle reste sur une taille correcte, mais avoir une salle de bain un petit peu plus grande. Voilà, la seule chose qui reste à faire dans cette salle de bain, eh bien, c'est venir mettre le sèche-serviette. Voilà, il est là, il est commandé, mais il n'est pas encore arrivé. Voilà pour la visite de cet appartement. Donc cet appartement, il fait 81 mètres carrés. Il fait 4 chambres. Donc j'ai eu entre 45 000 euros et 50 000 euros de travaux sur cet appartement. Et ce que j'espère tirer comme cash flow sur cet appartement en colocation, eh bien on va être sur un cash flow à un peu plus de 700 euros. Donc je suis particulièrement content de ce projet immobilier. Je suis vraiment tombé sur une bonne affaire. Et c'est ce que je vous dis tout au long de mes vidéos, en fait, le cash flow, en fait, forcément, il se joue avec le loyer, mais c'est surtout sur la phase d'achat, en fait, que vous allez trouver votre cash flow, parce que c'est cette phase-là qui est super importante. Donc cet appartement, en fait, je le touche à 55 900 euros, donc je suis vraiment, je suis tombé sur une putain de bonne affaire immobilière, comme j'aime bien le dire. Donc voilà, plus de 700 euros de cash flow, je suis vraiment ravi sur cette opération immobilière. Alors, bien entendu, faire de la colocation, c'est bien. Par contre, j'ai également pris ceinture et bretelles. Quand je dis ceinture et bretelles, c'est que je suis capable de me retourner, c'est-à-dire que cet appartement va me générer du cash flow, même si je ne l'exploite pas en colocation. Parce que cet appartement, il est quand même assez grand, 81 mètres carrés. Ça veut dire que je peux y mettre un couple, je peux y mettre une famille avec des enfants, et je trouve que c'est bien d'avoir créé une deuxième salle de bain, parce que ben, si on se projette sur une famille, par exemple, eh ben, je peux par exemple avoir une salle d'eau pour les parents et une salle d'eau pour les enfants. Et puis maintenant, si je reste dans cette configuration colocation, ce qui est bien aussi, eh bien, c'est d'avoir une salle de bain pour une salle d'eau pour deux. Si vous faites de la colocation avec 4 personnes, voilà, une seule salle de bain, clairement ça suffit pas, il faut deux salles de bain, et c'est pour ça que j'ai créé cette seconde pièce d'eau dans l'appartement pour 4 personnes. C'est l'idéal. Et puis encore une fois, pour un couple ou une famille, c'est toujours beaucoup plus de valeur perçue, donc ça c'est excellent. Et puis si jamais j'avais besoin de revendre cet appartement, eh bien ce sera toujours plus facile avec deux pièces d'eau. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vous montrer cet appartement parce que déjà je suis assez fier de ce qu'il a pu devenir par rapport à d'où je suis parti. Et puis on est vraiment à deux doigts de le meubler. Mais j'avais envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de cet appartement, ce que vous pensez de cette colocation. Ça nous donnera l'occasion d'échanger. Et puis donc je vais vous quitter ici, et puis comme d'habitude, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Ciao !